Et salut tout le monde et bienvenue, c'est Dante DM5 et aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie du périple du guerrier maudit. Donc je le rappelle, on prend la classe d'un personnage et puis vu que cette classe est maudite, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus prendre de points de compétence. Et donc on se démerde un petit peu avec ce qu'on trouve. Donc là on commence par le guerrier puisqu'on va dans l'ordre. Ce qui nous laisse quand même pas mal de possibilités. On peut porter une belle petite armure comme vous le voyez, donc c'est plutôt sympa. Et la dernière fois, ce qu'on a fait, eh bien on a battu les espèces de trois squelettes sorciers là. Et on a commencé à avancer dans la tour du poison. Donc on est arrivé à peu près au milieu de la zone. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va terminer cette zone. Et ensuite je vais libérer Gavlan je pense. Et après si on a le temps, on ira faire la prêcheresse dans la prison. Voilà, donc un beau petit programme. Ça devrait plutôt bien se passer normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc vu qu'on avait déjà préparé tout ce qu'il fallait pour notre personnage, eh bien écoutez, on va... Est-ce que je... Peut-être... J'ai quelques âmes. Je vais regarder vite fait. Attends, comment level l'armure? Parce que... Ouais, j'irai peut-être level un petit peu l'armure pour l'instant. Juste comme ça, histoire d'eux, hein, faut bien dépenser notre argent quelque part. Enfin, nos âmes, pardon. Fragment de titanite. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup on va level l'armure parce que je pense que je peux pas avoir mieux que ça hein, avec ce personnage là à mon avis. Avoir mieux je pense que c'est un petit peu compliqué. Désabonnez-vous qu'on me dit sur le sur le chat, mais qu'est-ce qu'il est méchant ce gars quoi, mais c'est pas possible ça. Putain je te jure quoi. Le gars d'une méchanceté, c'est pas croyable. Il faudrait que je pense à regarder aussi au niveau des armes de boss. À mon avis, tu dois avoir quelques armes de boss que tu peux utiliser en bas level comme ça. Ah, elles sont pas en illimité ces merdes là. Bon, c'est pas grave, comme ça au moins c'est acheté. Elle est pas censée me donner un truc scintillant là? Non, pas encore, je crois. Par contre, lui, il y a moyen qu'il me donne un truc. Ouais, le petit marteau de la forge, on s'en branle un peu. Du coup, on va utiliser une âme quand même. C'est quoi ça, sentinelle ondoyante? Je sais même plus ce que c'est. Ce que je sais, c'est que je vais l'utiliser. Tu m'aimes secrètement, ah bon. Tu m'imagines nu sur ma chaise, je suis pas sur une chaise là, tu vois. Là, vu que c'est la nuit, tout ça, là, je suis dans mon plumard, assis, tranquille, pépère. Des fois, je suis dans le canapé, des fois, je suis dans le plumard, mais je suis jamais sur une chaise. Je ne joue pas sur une chaise, moi, t'es fou, quoi. Et je me brise le cul avec ces conneries, hein. Les armures. Ah, j'ai déjà plus assez d'argent là, t'es sérieux? Je m'en fous, moi je monte tout. Hein. Là, j'ai déjà 3 branches en beau monde quoi. C'est assez hallucinant quand même. Attends, il me vend des nouvelles flèches. Ah non, j'ai une connerie. Attends, mais qu'est-ce que t'en as pas marre de raconter de la merde, mon gars, quoi. Le mec raconte de la merde, quoi. Ok. Et on a plus de fragments de titanite. Eh ouais. Eh ouais. Donc ça, voilà, et puis voilà. Mais déjà là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc on va aller rapidement dépenser ça pour acheter quelques petits carreaux. Et on va pouvoir continuer la tour de poison.
Dr. Scott, c'est un peu gênant. C'est un petit peu gênant, quoi. Alors. Tiens, regarde, c'est pas beau, ça? 999 flèches, enfin carreaux. Après, je libère Gavlan et on est bien. Je pense que je pourrais prendre des carreaux de poison avec lui, hein, si je dis pas de conneries. Et après, on libère Arniflex et puis là, carrément... On a les carreaux de feu et tout, là, voilà, c'est la classe. Ce qui fait que tu peux faire des dégâts. Comme ça, je pourrais faire des dégâts normaux, des dégâts de foudre et des dégâts de feu en même temps. La classe totale. Alors, poison. Non, ici. Voilà. Alors, donc, Dalaran, tu t'entraînes sur Dark Souls 3. Et en même temps, tu regardes un stream sur Dark Souls 2. Parfait. Tu sens le mec pas du tout fan de Dark Souls, quoi. Alors pas du tout, du tout, du tout. Ce qui est gênant, c'est... Oh putain, je lis même pas ce que t'as marqué, quoi. J'ai pas envie de perturber ceux qui vont arriver sur YouTube et qui vont lire des trucs complètement dégueulasses, quoi. Enfin, qui vont entendre des trucs dégueulasses, pardon. Là où il a pour le coup, c'est très gênant, quoi. Donne-moi le ce con. Hein. Et un peu con, hein. C'est vrai ou pas? Tu sais, ils ont rajouté les pots là exprès, parce qu'ils y étaient pas avant ces pots là. Hein. Mais il faut pas tes messages sur sur YouTube. Je sais pas pour l'instant, je sais pas vraiment si c'est pertinent de mettre les messages ou pas sur YouTube. Après, si on me le demande, hein, peut-être que je le ferai. Hein. Mais là, comme ça, pour l'instant, je sais pas. Parce que je trouve que ça peut peut-être gâcher un petit peu, tu sais, le fait de voir une grande colonne sur le côté. Oh, le mec! Eh, il m'a fait super mal avec sa flèche là. C'est un malade ce gars. Hein. Eh merde, putain, à chaque fois j'oublie de me mettre à deux mains là. Eh, comment il fait trop mal. Ah, j'avais oublié de tester, voir si l'eau tu pouvais pas péter le mur là. J'en doute, mais sait-on jamais, quoi. Qui ne tente rien, n'a pas grand-chose, quoi. Oh! Ce safe spot, là. Je crois que je peux l'avoir, lui, comme ça, là. Voilà, c'est très bien. Salut, toi. Oh, genre, tu me touches. Enfin, la longe de malade qu'il a. Mais pas le chat sur YouTube. Non, mais c'est pas prévu pour l'instant. À moins que vraiment qu'on me le demande, mais pour l'instant c'est pas prévu. Parce que je trouve que c'est pas forcément super joli en fait. Quand tu regardes le jeu, tout ça. Après, il y en a qui aiment bien le voir, hein, mais c'est pour ça, si jamais on me le demande, je le ferai. Bon, après, c'est pas comme si j'avais 50 milliards de vues sur mes vidéos, tu vois. Ouah, genre. T'as senti comment ça venait de puer la merde là? Putain, j'ai la télé qui veut s'éteindre là. Ah, c'est allumé la petite télé. Et pendant que je vais choper la télécommande pour empêcher la télé de s'éteindre, il se passe quoi? Je me retrouve empoisonné, quoi. Non mais. Ce truc qui se fout pas du tout de ma gueule, quoi. Ah oui, je l'avais oublié. Putain, les ninjas là.
Le mec, quoi. Et tout ça pour choper une pique à la con, quand même. Bah, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, quoi. Je méritais le poison. Putain. Il est vraiment méchant, hein, ces gars. Ça va qu'il y a Big Fury qui va arriver. Il va me soutenir un petit peu, parce que là... Y a plus rien qui va, quoi. Alors ça, j'aime bien. C'est le fameux moteur AVOC, hein, qui permet de... avoir des petits bugs comme ça là, c'est plutôt sympa. Ça fait très jeu terminé, hein, on est bien d'accord. Il m'a surpris avec sa façon de tourner là. Tiens, vas-y, allez, avoue que c'est beau gosse. Tu le sais très bien, quoi. Ah, ça me fait penser que là, je suis pas pressé d'aller, c'est dans la fosse, là. J'aime pas du tout cette zone. Il faudra qu'un jour peut-être que j'apprenne à la faire par cœur. C'est pas pour tout de suite, hein. Oh. Putain ! J'ai fait le con. J'ai fait le con. Ça va qu'on a allumé le feu juste en dessous. Hein. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que t'allumes le feu, mais tu dois te retaper les deux pantins à la con, là. Ils sont juste à côté. Plus même l'autre, là, l'autre gardien, là, de merde, là. Lui, là, là, lui, là, tu le vois, lui? Voilà. Ah, tu peux. Eh, genre, tu peux les avoir de là, quoi. Eh. Ça me paraît tendu quand même. Hein. Oh! Il est parti où, ce con? Ce jump de malade qu'il a fait là. Ah, je savais que t'étais là ce fois-ci, enfoiré, hein. Salut mon pote. Josh, I'm on the roof. Yeah, it's come. You want? I go there. Why? Have you not? J'adore sa voix, ce perso. Oui, allez, vas-y, je te donne des âmes. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. La prêcheresse, je crois pas qu'on aura le temps. Hein. Est-ce qu'il faut les faire les autres avant là, les sentinelles? Même si on n'est pas obligé de les faire, mais je me rappelle pas le chemin. Alors vu qu'ils ont bloqué en plus... vu qu'ils ont bloqué quelques chemins... c'est pas évident quoi. Toi, c'est bien, tu peux l'acheter cette nuit là aussi.
pense que il doit y avoir pas mal de persos qui peuvent porter cette armure, qui est assez cool. Ok, c'est bon, tu me l'as déjà dit, calme-toi. Il fait marrer à tenir son gros ventre. Ok. Pierre de saut de Pharos, alors ça c'est pareil, t'en as, mais laisse tomber quoi. Tellement la blinde maintenant. C'est quoi, t'es en vie toi? Il était en vie. Allez, allez. C'est des cons, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oh, genre! Ah non, ça c'est fumé, ça! Ah ça, c'était dégueulasse, ça, hein. De toute façon, on peut pas le faire dans le 2, hein, je me rappelle pas. Hein. Dans le 3, oui, je sais. Ça se trouve, dans le 2, on pouvait peut-être plus le faire, ça. Hein. C'est pas impossible. Je sais plus ce qu'il y a là-haut, là, dans le coffre, là. On va aller voir. Se calmer la même merde hein. C'est à un moment donné le bouclier de Mira qui protège contre les sorts je crois hein. Un délire comme ça hein. Y a pas moyen de tomber sans se faire mal là. Allez merci patron, ce fut un plaisir. Ah oui, vu que j'ai fait le truc là, je peux choper son armure normalement, non? Voilà, ouais, donc faut vraiment l'invoquer au début quoi. Sa lance, l'anneau des ronces, ça c'est plutôt cool ça. Je vais regarder vite fait. Ouais, tu m'étonnes, elle est tellement puissante maintenant. Pas très belle après l'armure de pâte, hein. Mais mais en termes de poids, elle pèse vraiment pas lourd. Tu vois? Elle pèse pas lourd, hein. Elle fait Ouais, elle fait un bon tiers en moins quand même. Donc ça peut être ma foi fort sympathique. Alors lui je crois que je peux l'avoir en scred. Oh putain. Y'a pas des sorcières là? Y'a un mec là-bas mais j'ai envie de dire que je m'en branle. Comme ça, j'ai envie de le dire. La sorcière, je l'ai butée, donc on s'en fout.
Tu te calmes. Non mais faut leur apprendre à se calmer à ces putains de tarés parce que à un moment donné, faut leur arrêter les conneries quoi. Ah, il est pas mort. Merde. Je pensais qu'il était mouru. Bah genre qu'il meurt. Tu es sérieux ta vie ou quoi là? Eh oh, à un moment donné, il faut arrêter les conneries quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Il égite le coffre? Ouais, ça a l'air. Pourquoi j'ai eu un. Ça a tremblé comme ça là? Pierre de saut de Pharos. Genre j'en ai pas assez comme ça des pierres de saut de Pharos quoi. Putain. Alors attends, je suis où là? Est-ce que j'essaie de me remettre là? Ah salut toi. Tu le sens le poison arriver sur ma gueule là? Le poison il attaque bien quand même, hein. Beaucoup plus que sur la version originale. Hein. C'est marrant parce que sur la version originale il l'avait nerf. Et là au final ils l'ont réaugmenté quoi. C'est assez marrant. D'accord, j'utilise une pierre dans le vent quoi. Merci monsieur dame quoi. Donc là je les redescends donc c'est pas intéressant. Ah oui, puis c'est là qu'il y a le. Je sais même plus ce que ça me permet de choper d'ailleurs, au passage. Salut petite sorcière. Comment tu vas? Anneau de quartz, donc on est bien d'accord que j'en ai strictement rien à foutre. Ouh là là. Et pas sur savoir des putains de sorcières là-bas là. Genre là au-dessus là. Il me semblait bien qu'il y avait un soldat qui. Un ninja là qui a rappliqué là. Il me semblait bien me souvenir de ça. Ok. Je vais peut-être aller chercher le feu en premier. On sait jamais. Ce serait quand même très con de se faire éclater la gueule. Si près du boss.
Voilà. Parce que là, tu dis que la vie est belle. Un objet pétrifié. Donc ça peut être potentiellement très très bon. On va descendre, on va essayer de se les faire tranquillement. Je sais pas pourquoi je le sens pas le boss là. Il y a un truc depuis tout à l'heure qui fait que je sens pas les boss. C'est assez bizarre, hein. Autant qu'on est quand même d'accord que globalement. Ah, ils ont mis des petites merdes là comme ça. Que globalement, pardon, l'espèce de méduse là, elle est pas compliquée. Hein. Il faut juste faire attention à quand elle balance sa tête. Hein. Je vois que là, ça peut être dangereux, surtout étant donné le peu de points de vie que j'ai. On est bien d'accord. T'es con ou tu fais exprès, toi? Oh, genre pas de boss que ça, quoi. Allez. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, par contre, monsieur Harlequin que tu peux invoquer là, il est tellement pété ce PNJ. Oh, cette folie, quoi. Attends, il n'y a pas un truc là. J'ai pas un truc anti-poison là? Tiens, bim. Oula, l'endurance. Surtout sa tête qui me fait peur en fait. Oh, j'ai fait une roulade, t'es sérieux là? Allez, vas-y, gruche ta vie quoi. Je fais pas de dégâts, hein. C'est fou, hein. Enfin, cette allonge qu'elle a, c'est d'une violence. Ça, tu peux le faire ce coup-là dans Nioh. Sympa, hein. Une roue là, putain. Mais bon, t'as fini de te foutre de ma gueule là? Par contre, j'ai horreur de ça quand je fais une roulade et que mon perso fait pas de roulade. Hein. Je vais mourir. Je suis mauvais. Ah ben, je crois qu'il est lancé quoi. Oh mais j'ai fait une roulade putain mais... Tu me gonfles.
Putain, roulade encore là. J'ai horreur de ça. Hein. Par contre, ça me fait bizarre, hein, la lenteur qu'il met pour boire ses potions. J'ai tellement l'habitude en fait de monter l'adaptabilité. Et là, du coup, ça me fait très bizarre. Oh, bien joué. Je l'ai pas vu venir celle-là. Plus d'endurance. Oh, genre. Ne soyons pas trop gourmands. J'ai failli mettre un coup de gourmandise là. Bon bah ça c'est fait. Voilà. Donc normalement je pense que là je peux récupérer l'anneau du scorpion. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. Hein. Ah non, si, c'est là. C'est... Bon, bah voilà. Finalement, hein. Comme ça, après, on va aller chercher Gavlan. Ça sera très bien. Voilà ma bonne dame. On va aller là. Puisque tant qu'à faire, je vais aller level up un peu mon armure. Parce que lui, il a les grands fragments illimités en fait. Donc, j'en ai besoin quand même de quelques-uns. Il m'en faut 1, 2, attends, 3, il m'en faut 6. Moi je vais en prendre une petite douzaine quoi. Je sais plus combien ça coûte, 2005 je crois. On va peut-être en prendre plus une dizaine alors. acheter. Bah allez hop, on s'en fout. Pas mal. Alors, renforcer armure. Voilà. Bouger ça. Là, c'est avec des petits fragments. Et là, c'est avec des petits fragments aussi. Voilà, déjà on est bien. Ok. Donc là on va aller chercher Gavlan maintenant. Ah, faut que je me retape tout, tout le truc pirate là. Putain, fait chier. Attends, en plus j'ai pas débloqué le raccourci, je crois. Bon, c'est pas grave. Hein.
C'est marrant parce que les anneaux de protection vitale, je tombe plus dessus sur cette version-là. Alors que dans la version classique, t'en avais mais une blinde, mais pas possible quoi. C'était un truc de taré, hein. Ah ouais! Bien sûr, les gars, bien sûr! Je les one-shot pas, c'est con, hein! Les flèches font toujours super mal. Hein. Bon, je crois que c'est tout pour ici. Là, l'objectif, c'est juste de trouver Gavlan, en fait. T'es un petit marrant, toi. Essaye de m'enflammer, là, pour l'autre con, là. Ah, ça se casse, ça. Ah ouais. Non, lui, je crois que je peux le one-shot normalement. Dans les burnes, allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on peut le one-shot dans la tête en fait. J'étais un petit peu présomptueux, quoi. Hein. Ça, le problème souvent c'est quand tu vas aller vite tu fais de la merde, tu fais des belles conneries. Ouais, ok. Salut toi. Je suis quand même passé par là, c'est mieux. Le chien. Ah, je pensais pouvoir l'enchaîner avec un backstab. C'est pas grave. Je crois que Gavlon il est plus long, il est plus loin. Hein. Plutôt que d'être dans la baraque où il y a tous les espèces de grosses merdasses là. Il me semble qu'il est beaucoup plus loin en fait. Ah, j'ai pas vu venir le dernier coup. Hein. Oh, putain. Il sort d'où ce con là? Il est sérieux ou quoi? Mais il sort d'où ce con là aussi là? Ah, pourtant je regarde. Hein. Les mecs, ils sortent de nulle part comme ça quoi. Tout va bien. Tout le monde se sent très bien. Je sais plus où il est, Gavlan, en fait, là. Ah, il est au niveau de la porte, non? Il est au niveau de la porte, là, qu'on débloque, je crois, non? Pas là, putain, je sais plus où, là.
Ah ouais, si, attends. Il est au niveau du raccourci, je crois. Bah attends, de toute façon, je vais aller... Si, il me semble bien qu'il est au niveau du raccourci. Ah, faut faire gaffe parce qu'il y a un ninja là, ou je sais pas quoi là. Ah, mais j'ai rien de touche quoi. Mais d'où il sort ce con là encore là? Je vais pas descendre parce que c'est un putain d'enfoiré. Ça se casse, ça. Bon, incendiaire. Je les oublie tout le temps, ces coffres. Hein. Ah, un grand fragment de titanite, donc ça c'est plutôt cool. Ah, je l'entends là, il est là-haut. Toi, qu'il est au niveau du raccourci, qu'est-ce que je t'ai dit? Eh, Gavlan. Que des flèches, ils ont pas des carreaux. C'est dommage ça. Mais ça n'empêche pas que je vais le débloquer quand même. Hein. L'armure d'Horus. C'est vrai que j'ai débloqué le truc de ronce là. Plutôt cool. Hop. Là ici, je crois que c'est bon. Hein. Ici. Ouais, on n'aura pas le temps d'aller dans la forteresse. Hein. C'est pas grave. Là, petit squelette, hein. Je l'avais complètement oublié, lui. Voilà, ça c'est fait.
Et normalement j'ai le passage. Ouais, là. Lui faire un back là. Je crois qu'on peut leur faire des backstab. Ah non, il me semblait. Oh, j'ai pas vu venir celui-là. Alors là, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Rapide pour toi, bébé. Ah, j'avais plus d'endurance. Quel con. Je fais de la merde, hein? Ah, on est quand même bien d'accord, quoi. Alors, attends, est-ce que j'ai un petit truc à ramasser là? Voilà. Ouais, des prismes, on s'en fout un petit peu. On va vite fait s'occuper du cochon. Ouh, grand fragment, mais c'est magnifique ça, hein. Et normalement... Quand tout se passe bien, on a Gavlan. Voilà. Voilà. Par contre, ouais, j'aurais pensé qu'il me vendrait des carreaux, mais pas du tout en fait. Donc, j'ai envie de dire qu'en fait, du coup, on s'en fout un peu de sa gueule, quoi. Donc, c'est plus Orniflex qui va nous intéresser, qui est d'ailleurs à l'autre bout. Hein. On va pas le faire ça tout de suite. On fera peut-être plutôt la forteresse avant. Voilà, donc du coup j'ai ramassé deux grands fragments. Oula, pardon, j'aurais peut-être dû aller à l'autre d'ailleurs. J'ai un hoquet qui vient d'arriver là. Voilà. Je vais pouvoir améliorer encore un petit peu tout ça. C'est, je crois que quand je fais la prêcherie, ça me met les petits fragments en unité, je crois. Il me semble, je ne sais plus. Ah non, j'en ai pas du tout. Okay, d'accord. Bon, bah, je me suis déplacé pour rien. C'est pas bien grave. On va se rééquiper un petit peu en gemme. Ah oui, je peux aller récupérer. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Non, je vais m'arrêter là vu que je suis là. On va s'arrêter là. Donc on va s'arrêter là pour cette sixième partie, si je dis pas de conneries.
Et donc pour la septième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc récupérer notre fameux anneau qu'on attend depuis quelques temps. Comme ça, je pourrais vraiment équiper tout ce que je veux sur mon personnage. Et ensuite, je pense qu'on va s'attaquer à la forteresse. On fera peut-être les trois sentinelles. Je pense qu'on va les faire. En plus, là, je pourrais porter la masse, donc ça devrait plutôt bien se passer, je pense, en tout cas. Et la prêcheresse. Si, avec de la chance, on aura peut-être le temps de faire les deux. Avec de la chance, je dis bien. Voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour les gens de YouTube, je vous dis à la prochaine. Et pour les gens du stream, eh ben, je vous dis à tout de suite. On va faire juste une petite pause. Allez, à plus tout le monde.